Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes nombreux dans cette salle hier. On va avoir chaud pendant 1h30 puisqu'on a un débat passionnant en perspective. Les images, peut-on tout montrer? C'est le sujet donc qui retiendra notre attention. C'est un débat qui n'est pas nouveau, mais qui prend sans doute une dimension nouvelle avec la multiplication des chaînes, vous le savez, avec l'explosion aussi des moyens technologiques. On peut être aujourd'hui présent partout et tout de suite grâce aux relais satellites. Vous avez aussi tous, j'imagine, des ordinateurs, donc Internet, tous ces moyens, tous ces outils qui sont mis à notre disposition. Eh bien, ils font qu'on peut voir de tout et tout le temps, à n'importe quel moment. Donc c'est un débat qui va sûrement s'annoncer très, très intéressant. Je vous propose tout de suite d'accueillir nos invités. Je vais vous les présenter. D'abord, honneur aux dames. On va accueillir Madame Vicky Goldberg, critique d'art américaine. On va pouvoir l'applaudir. Madame Goldberg. On remercie d'ailleurs l'université américaine à Paris. C'est grâce à elle que plusieurs personnalités américaines participent à la Cité de la Réussite. Et donc c'est grâce à elle en partie que vous êtes là, Madame Goldberg. Vous avez beaucoup travaillé sur la photographie, sur l'impact de la photographie. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. L'un d'eux s'intitule « Le pouvoir de la photographie, comment les photos ont changé nos vies ». Vous avez collaboré avec de nombreux médias américains, le New York Times. Vous collaborez toujours avec Vanity Fair. Enfin bon, vous avez une carrière très riche et un regard très aigu en matière de photos. Notre deuxième invité, vous le connaissez, Philippe Labraud. Une carrière très riche. Journaliste, metteur en scène, écrivain. Il a écrit de nombreux ouvrages, L'étudiant étranger, Tomber 7 fois, se relever 8, Je connais des gens de toutes sortes. Enfin, vous connaissez sûrement tous les livres de Philippe Labraud. Aujourd'hui, vous êtes le vice-président de la chaîne de télévision Direct 8. Voilà, Serge Tisseron est notre troisième invité. Il est psychiatre et psychanalyste. Bonjour. Serge Tisseron nous sera très utile parce que cela fait au moins 20 ans qu'il travaille sur l'image. Il a écrit plusieurs livres sur ce sujet inépuisable, Manuel à l'usage des parents dont les enfants regardent la télévision, par exemple. Il a écrit aussi Les bienfaits de l'image ou encore Le bonheur dans l'image. Notre dernier invité, Hubert Sauper, il est réalisateur, scénariste et producteur. Bonjour. Installez-vous. Hubert Sauper est né en Autriche, il vit à Paris, il a obtenu de nombreuses récompenses pour son documentaire Le cauchemar de Darwin, qui est sorti en France en 2005, un film qui se passe en Tanzanie et qui avait dénoncé les effets pervers de la mondialisation. Il y avait eu toute une polémique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je souhaiterais vous dire également que ce débat a été préparé par des étudiants du CELSA, de l'ISEG et de l'ISG. Vous êtes ici présents au premier rang. Vous avez beaucoup de questions à poser à nos invités. Dans la salle, vous connaissez sans doute la règle du jeu. Vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. Il y a des micros qui vont circuler. Vous posez les questions que vous voulez. Alors, je reviens sur notre problématique. Les images, peut-on tout montrer ? Avant d'entrer dans le détail de cette problématique, avant de décortiquer tel ou tel aspect, comme vous l'avez fait d'ailleurs vous les étudiants et vous le ferez sans doute vous dans la salle, j'aimerais peut-être avoir un premier aperçu de ce que pensent nos invités de cette question et leur poser justement cette question à brûle pour point de façon succincte. Madame Goldberg, juste en quelques mots avant d'analyser vraiment cette thématique, peut-on tout montrer? Est-ce qu'on peut tout montrer? Il faut redéfinir la question parce que toutes les images sont déjà disponibles. Je parle un peu français. Vous parlez très bien, Madame Goldberg. C'est très, très gentil. J'espère que vous me pardonnerez. Mais toutes les images sont disponibles sur l'Internet. Donc, il faut demander si on doit montrer tous. Ce sont les médias plus polis, plus régularisés, dit-on, plus
pouvez connaître. En anglais, ça doit être un faux ami, Philippe. Vous parlez bien anglais, mais nous avons une interprète à côté de nous. Oui. Régulariser, dans quel, je ne sais pas quel est le sens que vous vouliez donner. C'est-à-dire comme la télévision, les journaux, les magazines. Et on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas poser la question à tous les pays. On ne peut pas poser cette question de la même façon dans tous les pays. Oui. Donc c'est le premier bémol déjà que vous mettez à cette question. Les images, peut-on tout montrer? Il y a plusieurs bémols selon vous. La réglementation, est-ce que vous en voyez d'autres que vous avez envie de nous donner là tout de suite ou on en parle tout à l'heure? Par exemple, j'étais récemment en Chine. Mon livre « Le pouvoir de la photographie ne peut pas être publié là parce qu'il y a là-dedans la photographie de l'homme qui a se levé devant un tank. Le fameux char sur la place Tiananmen. Oui, Tiananmen. Et on ne peut pas le montrer à Chine. Donc, on ne peut pas dire on doit montrer tous. Donc, votre livre n'a pas droit de citer en Chine ? Non, il n'est pas publié ? Non, ce n'est pas possible. D'accord. J'aimerais m'adresser au diffuseur, Philippe Labreau, puisque vous êtes vice-président de la chaîne Direct 8. Et puis, on sait que vous avez une longue carrière de journaliste. D'emblée à cette question, peut-on tout montrer? Vous avez envie de nous dire quoi, brûle-pourpoint? J'ai envie de demander ce que ça veut dire tout. Est-ce que tout, c'est tout? C'est-à-dire tout ce qui est photographié dans le monde, c'est toutes les images. Si oui, si c'est ça, le tout, bien évident qu'on ne peut pas tout, on ne doit pas tout montrer. Maintenant, on peut, car effectivement, comme dit Mme Goldberg, il y a, c'est devenu totalement sauvage aujourd'hui, à part quelques pays qui censurent encore. L'Internet, les technologies modernes ont permis de traverser toutes les frontières et toutes les barrières. Aujourd'hui, les blogs, tout ce qu'on veut, font qu'effectivement, toute photo peut être diffusée. Toute individuellement. Photo, oui. Mais que les responsables, les diffuseurs, doivent tout montrer, c'est un autre problème, c'est un problème d'éthique, et je pense qu'il dépend de la responsabilité du diffuseur. Un journal télévisé reçoit... Alors d'abord, est-ce que c'est les photos dont on parle ou c'est l'image? Parce qu'il y a une différence énorme entre la photo fixe... Et la vidéo. Et le film, la vidéo, le reportage d'actualité. Bon. Mais si on s'en tient à la stricte photo, parce qu'on montre aussi beaucoup de photos dans les journaux télévisés, les émissions et tout cela... C'est un problème de responsabilité. Tous les médias sont face à la même question sur une horreur, sur quelque chose d'indécent, de provocateur, d'insultant. Oui ou non, doit-on le montrer? Donc, c'est posé en tout cas la question de la responsabilité. Mais bien sûr. Tout est toute affaire de morale et d'éthique. Je pense qu'on va le décliner tout au long de ce débat. Monsieur Tisseron, vous qui avez l'œil du psychanalyste, est-ce qu'on peut tout montrer? Oui, moi j'ai été frappé du fait que dans votre question, c'est peut-on et c'est pas doit-on. Hein. C'est un petit peu ce qu'évoquait Philippe Labreau. Je crois que la vraie question, c'est doit-on tout montrer? Parce que peut-on tout montrer, c'est une question de liberté. Doit-on tout montrer, c'est une question de responsabilité. Et là, on est, si j'ai bien compris, pour parler de responsabilité. Alors à cette question, moi je dirais oui, hein, on doit tout montrer, mais... Où, quand, comment, hein, c'est là qu'on peut commencer à discuter. Et puis surtout, pourquoi, hein. Et quand on répond à la question de pourquoi, on commence à avoir une réponse aussi aux questions où, quand et comment. Très bien. L'œil du réalisateur et du documentariste que vous êtes, M. Sopper, est-ce qu'on doit tout montrer? Est-ce qu'on peut tout montrer? Oui, Serge a dit exactement ce qu'il fallait dire. C'est que mon métier, c'est justement... de décider comment montrer les choses et pas quoi montrer et comment et dans quel contexte. Le contexte, dans mon cas, ce sont des films de cinéma. À l'intérieur de ça, c'est moi, l'auteur, qui décide qu'est-ce qu'il faut pour cette œuvre et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais il n'y a pas d'images qu'on ne peut pas montrer. Il y a des images qui n'ont pas de place dans ce film-là. C'est plutôt le regard que vous posez sur une réalité. Il y a, chaque photo est un regard, même une photo de Noël, de la famille, c'est un regard. Mais mon métier,
c'est justement ce permanent jugement, comment mettre les choses ensemble, comment les mettre dans un contexte, et comment les présenter, et comment les défendre aussi après. Moi, je n'ai pas de problème de montrer un cadavre, par exemple, alors que dans ce dernier film, j'en ai pas montré. Le cauchemar de Darwin. Oui, parce qu'on m'a demandé si j'ai... Attends, je vais... C'est votre portable. Vous dites à votre interlocuteur que vous êtes occupé. À chaque fois. Oui, vous disiez que vous n'aviez pas de problème à montrer, par exemple. On m'a souvent posé la question, est-ce que vous avez censuré des choses? Est-ce que vous n'avez pas montré? Bien sûr, j'ai passé des années en Afrique. J'ai montré, par exemple, les enfants de la rue. Et j'en ai vu dans ma vie là-bas, j'en ai vu des enfants avec le cerveau qui coule, des enfants morts dans les hôpitaux, dans les circonstances. Les hôpitaux, oui. Mais ça n'avait pas de place dans les hôpitaux. Oui, enfin, c'est pas grave. Excusez-moi, c'était, j'arrivais pas à réprimer. C'est bien. J'ai pas réussi à m'autocensurer. Constante leçon de français. Donc vous. Et juste pour vous dire... que ce n'est pas forcément... je pense qu'une bonne partie des gens ici ont vu ce film et beaucoup de gens ont trouvé ça terrible, cette image de ça. Mais je peux vous dire que c'est rien par rapport à ce que j'ai vu. Et j'ai dosé à chaque plan. Fois qu'est-ce qu'il faut pour ce film. Parce que si je montre un enfant mort dans la rue dans ce film-là, ça devient démon, quoi. Ça devient... le film sur l'enfant qui meurt. Alors, ce n'était pas le thème du film. Le thème du film, c'est un ensemble, et un ensemble de folies qui s'enchaînent, et un ensemble de bêtises aussi qui s'enchaînent. Et là aussi, on en revient selon à la moi, responsabilité. La responsabilité, c'est après... c'est un grand mot, oui. Mais, bon, on va le décliner un petit peu plus longuement, à mon avis, à travers d'autres questions. Est-ce qu'on peut peut-être commencer avec nos amis étudiants qui ont tellement de questions à vous poser que j'ai l'impression qu'il faut... peut-être débuter tout de suite notre débat. On vous écoute. Est-ce que vous avez un micro d'abord? Le voici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Jordan, donc de l'IAG. Oui. J'aurais une question à poser à Monsieur Serge Tisseron et Mme Vicky Goldberg. Donc, ce serait pour savoir, bon, au-delà de votre propre sensibilité, quels sont les critères que vous utilisez pour évaluer une photographie, en fait? Comment savoir si c'est une image qu'il est bon ou non de diffuser, la censure, l'autocensure? En fait, quel regard portez-vous sur les photographies? Comment est-ce qu'on juge de l'impact d'une photographie? Voilà, exactement. Qui est-ce qui veut commencer, Madame Goldberg? En anglais ou en français? Selon les critères, pour moi, ce qui est le plus intéressant est exactement l'impact. Par exemple, les photos de prison Abu Ghraib. Abu Ghraib, on le dit comme ça aussi en français. Oui. Bon. On voit immédiatement, il y avait beaucoup d'impact. Il a détruit, c'était instantané, il a détruit la réputation des États-Unis pour la moralité. De l'armée américaine. Il faut rappeler que c'était des images de torture. Aussi pour les autres Américains, je crois. Oui. Et on rappelle aussi, donc que c'était des images de torture de soldats américains sur des Irakiens dans cette fameuse prison. Et que ce sont des images qui ont choqué le monde entier. Oui, et ils ont augmenter la haine qui beaucoup des musulmans dans cette région expérience chez nous, et aussi notre secrétaire de défense, après ces photographies étaient publiées, il a interdit les caméras aux militaires, une épreuve de leur impact, je crois. Et aussi pour moi, c'est intéressant parce qu'il parle d'une culture de caméra, que tout le monde a des caméras, que tout le monde pense que tout événement vaut la une peine. Photographie. Oui. Oui, vaut la peine, oui. D'être filmé ou d'être photographié. Oui, et que
n'y a pas une vie privée maintenant, parce que toutes les actions sont disponibles à la public. Donc ce n'est pas seulement mon sensibilité, c'est différent avec des photographies d'art, des photographies artistiques. Oui. Oui. Très bien. Monsieur Tisseron, peut-être votre regard oui. sur... Est-ce qu'il y a d'abord des bonnes et des mauvaises photographies? Est-ce qu'on peut tout montrer? Du point de vue de l'information, certainement, il y en a de bonnes et de mauvaises, mais du point de vue de l'impact psychologique sur les spectateurs, non. Parce que dans toute photographie ou dans toute image, hein, dans toute forme d'image, vous avez toujours ce qu'on pourrait appeler une partie commune hein, de l'influence qu'elles peuvent avoir sur des personnes partageant une même culture, les mêmes références. On peut prévoir qu'une image sera perçue comme pénible ou au contraire comme agréable hein, quand on connaît à quel public elle s'adresse. Donc il y a toujours une partie commune pour une population donnée, mais il y a toujours aussi une partie variable. Hein, je dis toujours les images, elles ont une porte d'entrée vers nos opinions publiques, mais elles ont aussi une porte d'entrée vers notre vécu intime. Donc on ne sait jamais vraiment quel impact une image pourra avoir sur tous les gens qui la regarderont, même si statistiquement, on peut en prévoir quelque chose. Alors quel est mon point de vue, moi, sur les images moi, je ne suis pas chargé de savoir quelles images il faut montrer ou pas, hein, nulle part. Mais moi, ce qui m'importe dans une image, c'est d'abord le point de vue de celui qui l'a prise. Je crois que c'est très dramatique qu'on ait aujourd'hui beaucoup d'images qui passent dans le domaine public, qui sont des images prises par des agresseurs, voire par des bourreaux. Les images d'Abu Ghraib, il fallait les montrer, mais je pense qu'il aurait fallu les montrer dès le début, floutées ou avec des visages masqués, parce que ça n'aurait rien changé au niveau de leur horreur. Mais d'une autre façon, ça aurait tout changé parce que nous les aurions vus autrement que les bourreaux. Il ne faut pas oublier quand même que les bourreaux avaient pris ces images pour leur plaisir, hein, ça a été assez dit, un petit peu comme on peut prendre des images d'un éléphant mort ou d'un éléphant blessé dans un safari en Afrique. Hein. Donc je crois que c'est important de ne pas montrer les images des agresseurs, des bourreaux, telles qu'ils les ont prises, d'en changer quelque chose pour marquer notre distance. Et je crois que ce qui est important, c'est quand même de privilégier les images qui montrent un regard humain sur des situations inhumaines. Parce qu'il n'est pas question de cacher l'horreur du monde, hein, toutes les situations inhumaines qui s'y trouvent, mais je crois qu'il y a toujours un regard humain ou un regard inhumain sur les situations et que c'est le regard humain qu'il faut privilégier. Philippe Labro, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Hubert Sauper non plus? Non. On continue alors. Oui, allez-y Hubert Sauper. Je trouvais très intéressant que Mme Goldberg disait que les images qui ont dénoncé quelque chose ont augmenté la haine en même temps. Je vous racontais une mini anecdote d'un ami qui voyageait en Inde, qui a pris un taxi à Bombay et sur le, comment on appelle ça, le dashboard de la voiture, il y avait une photo d'une fosse commune à Auschwitz, une photo très connue dans notre culture. Et ce voyageur européen dit, why do you put this photo in your taxi? Right. Et le taxiste a répondu, because this is what we have to do with the fucking Pakistani people. Je sais pas si alors, tout le monde a cette, compris, cette oui. image qui a été prise il y a 60 ans par un soldat américain, sûrement avec la bonne conscience, avec humanité, je pense, hein, oui. Devient, un exemple, devient un exemple pour un autre génocide pour ce taxiste. Bon, alors, ça veut dire qu'on ne peut pas, ultimativement, comme auteur d'une image, être responsable pour tous les effets que ça fait. Bien on peut sûr. Pas. On peut pas dire voilà ce photographe il y a 60 ans il n'aura pas dû le faire voilà, parce que c'est pas pour ça qu'il fallait pas photographier. Donc ce qui s'est passé à Auschwitz. Tout ce qu'on fait, si on fait dans mon cas des films qui voyagent dans le monde entier, qui sont vus par les millions et les millions de gens, ça fait des effets dans tous les sens un peu. Mm-hmm. On peut bien sûr espérer que ça fait un effet dans un sens. Dans ce sens qu'on voulait l'émettre, mais on ne peut pas le contrôler. Oui, il y a toujours une portée affective, émotionnelle. Il y a toujours une fuite, il y a toujours un malentendu, il y a toujours un détournement, il y a toujours une prise en otage, il y a toujours des télés qui prennent des images en extrait qui parlent de films alors que ce n'est pas ce film-là. Donc, moi, je commençais à faire des contrats maintenant avec des télévisions qui n'ont pas le droit de faire
des trailers, hein, comment on appelle ça ? Du commerce. Des bandes annonces avec certaines images de mes films. Oui. Donc certaines images, c'est interdit de les extraire parce qu'elles ne peuvent exister que dans le contexte du film et pas à l'extérieur. Mm-hmm. Donc voilà, juste ça. La salle, oui. Donc bonjour. Bonjour. Je m'appelle Thibault, je suis étudiant à l'IEG. Là, c'est une question qui concerne à peu près tout, pour tous les intervenants. Quelle analyse faites-vous en fait de la polémique autour des caricatures de Mahomet ? Et la même indignation n'aurait-elle pas été suscitée s'il s'était agi de Jésus ou de Yahvé ? D'accord. Donc la même indignation n'aurait-elle pas été suscitée si c'était Jésus ou Yahvé ? Voilà. Je reprends la deuxième partie de ta question. C'est lui qui l'a préparée. Voilà. Ce sont les auteurs de ces questions. Non, parce qu'on a vos questions écrites, donc il n'a pas copié, c'est lui qui l'a... c'est lui qui l'a pensé, voilà. Donc, qui veut commencer sur cette polémique autour de Mahomet ? Est-ce que... Ça n'inspire... Philippe Labro. Très intéressant, parce que là, on va au-delà de l'image photo, ou documentaire, ou film, puisqu'il s'agit d'un dessin. Un dessin, c'est une... expression artistique, et c'est un éditorial d'une certaine manière. Donc là, on en arrive à pas tout à fait le même sujet. Il est vrai que l'impact est le même puisqu'il s'agit d'une image. D'une représentation. C'est une représentation. Mais ce débat qui a agité les sociétés occidentales et autres pendant au moins 3 mois va beaucoup plus loin que la question posée. Il s'agit de savoir si aujourd'hui, la liberté d'expression est complètement... suffisamment vaste pour que l'on ose, comme autrefois, à travers les siècles, caricaturer, ironiser telle ou telle religion, telle ou telle icône, telle ou telle institution, ou si désormais il y a des religions, des thèmes, des personnages qui sont tabous et auxquels on n'a pas le droit de toucher. Donc là, vous abordez un sujet fondamental, qui est beaucoup plus que l'impact d'une image, qui est oui ou non. En Occident ou en Orient, l'Occident ou l'Orient ou les deux, ont-ils le droit d'exercer leur talent, cette liberté polémique. Est-ce que vous, Philippe Labro, étant patron d'un quotidien, vous auriez publié ces caricatures ? Il fallait savoir d'abord si elles étaient talentueuses. Moi, je ne les ai pas trouvées très talentueuses. Il fallait peut-être les encadrer mieux, les expliciter. Pour revenir à ce que disait Serge et à ce que vous disiez vous aussi, Hubert, c'est toujours pareil, la mise en perspective. Peut-être, compte tenu du climat actuel et de ce que Huntington appelle le choc des civilisations, le choc des cultures, fallait-il être un petit peu plus prudent dans l'exposition de ces caricatures. Néanmoins, elles sont publiables. On publie des caricatures et des représentations polémiques ou autres, d'autres représentants, d'autres icônes, d'autres figures, d'autres religions. Et il n'y a pas des millions de catholiques qui débarquent dans les rues pour manifester quand on se fout de la gueule du pape, ce qui est tout à fait fréquent, surtout dans nos sociétés. On a quand même souvent vu aussi des images qui pouvaient, ou des films qui pouvaient choquer des chrétiens. Oui. Et le Vatican avoir des recours contre telle campagne de publicité ou contre tel ou tel film. La susceptibilité ou la sensibilité, tout simplement, n'est pas que dans une seule religion. Évidemment, donc on en arrive à d'autres thèmes très importants, qui est manipulation ou pas de telle ou telle communauté ou telle partie de l'humanité par une minorité de gens qui se rendent compte qu'il y a là un thème très délicat et très fragile, l'exploitent. Mais moi, je demeure attaché à la liberté d'expression artistique, caricaturale, éditoriale, quelle qu'elle soit, sans qu'on ait évidemment recours à l'insulte, l'obscénité ou les atteintes racistes ou autres aux droits de l'homme. Mais là, ce n'est pas le cas. C'était tout simplement des dessins caricaturaux de Mahomet, un point à la ligne. Donc, moi, ma vision, c'est évidemment qu'il fallait les publier. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo les a republiés depuis. Mais ça continue, comme vous le savez, ça n'est pas le seul exemple. On est face à un problème beaucoup plus important, qui est le choc ou pas des civilisations, des religions et des cultures aujourd'hui dans le climat dans lequel nous vivons, climat qui était en partie entretenu d'ailleurs par
les événements dont vous parliez un instant à Abu Ghraib. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout est lié. Le scandale ou l'opprobre qui a été fabriqué ou pas autour de ces caricatures auprès des communautés musulmanes aurait-il existé s'il n'y avait pas eu les événements en Irak? Les événements en Irak auraient-ils eu lieu s'il y avait eu le 11 septembre? Donc on en arrive à la catastrophe qui a démarré le 21e siècle. Et là, on dépasse largement votre question et le débat d'aujourd'hui. D'autres commentaires? Non? Monsieur Sauper? Je pense que la source du problème, ce n'est justement pas les dessins, mais c'est l'humiliation vis-à-vis à une partie de la population de la Terre. Et cette humiliation est aussi forte en ce moment qu'un petit dessin fait exploser les choses. C'est un détonateur, oui. Mais donc le problème, ce n'est pas le dessin. Le problème, c'est les gens qui lancent les missiles vers l'Irak. C'est les gens qui lancent la parole de Dieu à tout prix contre la parole d'Allah. Et bon, c'est cette haine qui est chauffée dans le monde qui cause le problème. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute d'un dessin. C'est la faute. Donc un dessin, c'est juste un petit élément. Quoi. Serge Tisseron. Oui, il ne faut pas oublier que dans cette histoire, il y a eu un peu double provocation hein, des journalistes, des dessinateurs qui ont fait ces caricatures. Pas tous, hein, mais certains ont été à la provocation. Et puis une provocation aussi dans la manière dont elles ont été découvertes, puis montées en épingle par certaines personnalités du monde musulman. Alors, double provocation. Alors, je trouve qu'il y a un homme politique, je crois que c'est Sarkozy. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais il y a une chose là qu'il a dit qui me paraissait bien. Il a dit s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à porter plainte devant les tribunaux compétents. À mon avis, c'est quand même l'idée qu'on doit avoir à cœur en démocratie, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a des tas de choses qui me choquent, et il est possible qu'un jour, certaines me choquent tellement que je porterai plainte devant les tribunaux compétents. C'est dans la logique de la démocratie. Ceci dit, appeler à l'agression physique, voire à l'exécution de quelqu'un, c'est quelque chose de totalement inadmissible. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle des images, mais qu'il y a une manière de faire des textes qui font image, par exemple. On peut aujourd'hui écrire des textes très polémiques contre l'islam ou contre le christianisme qui font image pour le spectateur, même si ce n'est pas des caricatures. Les caricatures n'ont pas forcément besoin d'être dessinées. Donc, derrière l'histoire des caricatures, il y a le dessin, mais il y a aussi l'idée de caricaturer. Et je crois que la caricature aujourd'hui, malheureusement, elle risque, compte tenu en effet de la situation internationale, d'attiser des passions terribles. Et je crois que ce qui est important, c'est de toujours avoir à l'esprit que dans un système démocratique, on a le droit, et non seulement le droit, mais on a le devoir de porter plainte quand on est choqué par quelque chose. Madame Goldberg. Seulement si nous perdons la liberté d'expression, les terroristes ont gagné. Mais je ne sais pas ce qu'on fait si on sait, par exemple, que ces les travailleurs dans votre bureau seront en danger après une telle publication. Pardon? If your employees will be in danger after you do this publication. Est-ce qu'on fait en fait quand on Allez-y. Quand on pense que nos employés vont être en danger à la suite de ces publications, comment on prend une décision dans ce cadre en ayant cela à l'esprit? Cela est arrivé après la fatwa contre Salman Rushdie. Salman Rushdie, oui. Oui, l'éditeur Random House a eu des gardes à la porte des gardes pendant du corps. Des semaines parce qu'on ne veut pas mettre vos employés en danger. C'est très difficile. La suite, la salle ou les étudiants? On vous écoute. Eh bien, d'après ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on peut parler vraiment qu'il y a une guerre bien organisée de l'image de différents camps qui essayent de gagner les uns contre les autres? Est-ce que cette guerre existe ou elle n'existe pas? Est-ce qu'il y a une guerre des images qui est menée dans le monde? Est-ce que vous voulez préciser un peu votre pensée? Parce qu'on peut l'entendre de façon différente. Il y a le domaine de la publicité, il y a le domaine politique, il y a le domaine
d'attirer l'opinion mondiale vers une partie ou une autre partie. Et il y a, si vous voulez, l'image devient n'est pas un enjeu. Quelque chose. Non, l'image en soi n'est rien. L'image est manipulée. C'est la manipulation de ceux qui reçoivent l'image, et ceci entraîne vraiment à ce que on peut utiliser pas seulement l'image, on peut utiliser les armes, est-ce que là on peut utiliser les paroles, mais l'image est un de ces armes nouveaux qu'on utilise dans les conflits, dans les confrontations. D'accord. Voilà. Alors, l'image est-elle une arme, Vicky Colbert, que vous avez? Ah oui, je crois que oui, mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais un des plus grands dangers est les photographies, les images qui sont manipulées ou qui sont construites, le théâtre. Nous avons eu beaucoup de ça. C'est une mode de propagande. Par exemple, dans la guerre en Liban entre les Israéliens et les Palestiniens, il y avait 5 ou 6 photographies des immeubles qui sont tout à fait détruits. Mais sur la terre, il y avait un jouet tout net dans une condition parfaite. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire, oh, les pauvres enfants, on a détruit leur vie, et c'est vrai, mais les images n'étaient pas la vérité. Et ceux qui sont responsables pour la publication doivent payer attention. Une telle image n'est pas très... Elle est artificielle, possible. Quelque part. C'est une construction presque esthétique. Oui, beaucoup. Oui. Non, pour vous, il y a un vrai message. Le fait de voir se jouer, oui, c'est symbolique. Et les photographes pensent qu'ils seront publiés. C'est la vérité. Cela est arrivé. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est une photographie, c'est des photographies qui font une guerre, qui disent où les Israéliennes ont détruit les enfants libanais. Vous voulez réagir sur ce thème de l'image qui est finalement une arme aujourd'hui? C'est-à-dire que pour répondre à la question de monsieur, on ne peut pas dire que c'est bien organisé. Il est clair que ce n'est pas organisé du tout et qu'il y a un grand désordre. Le désordre, on revient à ma première réflexion sur... Aujourd'hui, on est dans un état sauvage qui est l'image est partout et peut être manipulée et utilisée par tout le monde tout le temps. Mais il est vrai aussi, et ça ne date pas d'hier, vous avez utilisé, madame, le mot propagande, que ce qu'on appelait la guerre psychologique a été inventée par un génie du mal qui s'appelait Goebbels et qui a donc véritablement rédigé les règles de la désinformation et de la manipulation à partir d'une image. D'autant qu'on peut tout faire dire une image, et effectivement, on peut la déformer, la trafiquer, la transformer, et donc mentir. Mmh. Bien, ça, c'est une organisation, et c'est un problème de pouvoir. Les pouvoirs qui s'opposent les uns aux autres, les puissances qui s'opposent les unes aux autres, utilisent très certainement tous ces moyens. Et on sait que notamment dans les guerres, les images sont extrêmement filtrées, censurées. Oui. Mais, Dieu merci, il existe le quatrième pouvoir, qui est la presse. Alors, elle a tous les défauts du monde, mais néanmoins, c'est l'ouverture totale, c'est l'utilisation non contrôlée, pourvu qu'elle sache faire le tri entre les photos authentiques et les autres, et qu'elle décide que celle-là n'est pas, de façon très subliminale et très subtile, utilisée et infiltrée à l'intérieur d'un média pour servir un pouvoir politique ou un autre. Il demeure qu'il y a la presse qui, elle, joue son rôle... Presse écrite, hebdomadaire, quotidienne, en même temps, c'est une presse qui cherche à vendre, je me fais l'avocat du diable, et qui cherche le choc des images. Vous elle ne cherche pas slogan. Forcément le choc, les images elles-mêmes sont un choc permanent.
Oui, mais quand on fait le tri, est-ce qu'on ne va pas toujours chercher dans le plus racoleur aujourd'hui ? Tout dépend, encore une fois, on en revient à ce que je disais il y a un instant, de la responsabilité de chacun. Oui, vous avez, et des supports. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire les médias, la presse, ne cherchent que vendre du papier. Certains médias cherchent, pas d'autres. Tout dépend, encore une fois, de la notion, de l'éthique, de la responsabilité, de la morale, appelons ça comme ça, qu'ont ou pas ceux qui sont à la tête de ces médias-là. Vous ne trouvez pas forcément la même utilisation ni les mêmes images dans un magazine très très bas de gamme qui cherche à choquer et qui vend choquant et une revue beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus, disons, équilibrée et harmonieuse. En même temps, pour poursuivre sur cette idée, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a effectivement un côté foisonnant dans le monde de ces images, plus de contrôle par ceux qui ont le pouvoir? Je pense notamment aux politiques. Par exemple, là, ce sont des images aussi qui sont très contrôlées. On ne diffuse que ce qu'on veut bien diffuser. On est autorisé à ne suivre que ce chemin-là et pas un autre. Ça devient très dur d'exercer cette liberté de presse. Ça devient très difficile pour les photographes, pour les professionnels, pour les gens d'image, effectivement. Il y a même, pas seulement dans le monde de la politique, mais dans certains domaines, désormais, certaines manifestations sont pratiquement interdites aux photographes, ou alors on vend la manifestation à tel magazine, à un tel photographe. Oui. Tout est là, tout joue. Oui, par rapport à la guerre des images, je crois qu'il y a toujours eu, depuis qu'il y a des images, une guerre des images, parce que celui qui tient les images assure son pouvoir. Alors déjà, au début du christianisme, il y avait une guerre des images entre les images que l'empereur diffusait et les images que les chrétiens diffusaient. Et puis, à tous les grands moments de conquête, d'occupation, il y a eu des guerres d'images. Et peut-être que ce qui est nouveau quand même dans la situation actuelle, en effet, c'est ce foisonnement, mais aussi c'est la responsabilité, je pense, plus grande qu'on a parce qu'on est mieux conscient de ces choses. Et moi, je regrette aujourd'hui que la provenance de toutes les images qui nous sont montrées ne soit pas mieux précisée. Les spécialistes ont un nom pour désigner cela, ils appellent cela « sourcer les images », indiquer à chaque fois leur provenance, le moment où elles ont été faites, quel service des armées, ou quel journaliste indépendant, ou quelle chaîne de télévision, de quel pays les a faites. Je crois que ça relève des choses sur lesquelles il faudrait que nous soyons beaucoup plus vigilants, mieux connaître par qui, quand et comment les images ont été faites. Ça ne nous oblige pas forcément à les voir autrement, mais quand on a envie de porter un autre regard sur les images, à partir du moment où on sait cela, on peut le faire. Monsieur Sopper, est-ce que vous avez envie de nous donner votre point de vue sur cette manipulation et cette guerre des images ? Ouais, mais j'en parle que de ça depuis 2 ans et ça me fatigue un peu, en fait. Parce que il y a un grand malentendu, je pense, entre différentes formes de diffusion d'images. Donc mon métier, c'est justement maîtriser, mettre en forme un film qui s'appelle ensuite film, qui passe en salle et aussi comme espèce de recyclage à la télé. Parce que ça passe à la télé aussi, parce que la télé paye, mais ce n'est pas un film fait pour la télé. Il y a le débat de ce qu'on appelle le hors-champ. Hein. Il y a aussi l'image d'un film montre aussi des choses qu'on ne voit pas. Hein. On peut faire un film érotique sans montrer des seins ou sans montrer la queue d'un mec. Quoi. Mais si, donc le débat autour de mon film, c'est justement que ça parle de commerce d'armes en Afrique, on ne voit pas les Kalachnikovs, c'était justement l'idée, parce que c'est plus fort de voir un gros monsieur russe, de dire voilà, c'est ça mon métier, que de dire voilà, je vous montre les caisses, et c'est là, on est le 25 août, parce que cette évidence existe, on sait que l'Afrique est explosée ou explose tous les jours, on sait que c'est les Kalachnikovs ne poussent pas sur les bananiers, c'est connu. Ce n'est pas mon métier de démontrer ça, mais mon métier, c'est montrer quelque chose qui est invisible. Justement, le hors-champ et faire appel à l'imaginaire aussi, parce qu'on peut imaginer justement en ce moment la guerre et la folie derrière tout ça. Je pense, on peut, hein, au cinéma. Et c'est pour ça que le cinéma de cette forme a un tel impact. Donc c'est un choix, dans ce cas-là, de ne pas montrer certaines choses pour les montrer, pour les faire comprendre plus fort. Or que, comme c'est un thème politique, comme c'est
c'est une polémique, comme ça touche beaucoup d'hommes de pouvoir, ça touche beaucoup de lobbies, beaucoup d'intérêts. On essaie tout de démanteler cette image. On dit, ouais, c'est pas vrai parce qu'on ne voit pas les calculs. Alors, ça n'était pas le but. Et on essaie donc la controverse sur laquelle je suis un peu exposé, d'ailleurs juste dans ce pays, heureusement, parce que c'est en France, il y avait un monsieur qui a pris en main cette affaire. Et notamment, il avait deux arguments. Il n'y a pas commerce d'armes parce qu'on ne le voit pas dans le film de M. Sauper. Et les carcasses de poissons sont mangées par les poulets et pas par les êtres humains. Et moi, je pense que chacun qui a vu le film a vu que c'est une usine avec des fritures, avec les têtes de poissons bien rangées, avec des gens qui disent... Oui, donc ça, tout dépend de la lecture qu'on fait d'une image. Il y a aussi des carcasses de poissons qui sont mangées par les poulets ou les chiens ou les oiseaux qui passent, bien sûr. Mais ce n'était pas le thème. Le thème, c'est que c'est humiliant de voir des milliers de gens. Et c'est aussi une image qui transcende beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que je ne filme pas des gens dans la misère avec des carcasses de poissons pour démontrer ça. Mais parce que c'est une image métaphorique. C'est une image qui parle pour beaucoup plus que ça. Qui parle de l'état de l'Afrique, de l'état de l'humiliation, de l'état de la normalité de cette folie ou de la folie de la normalité. Donc mon arme, si vous voulez, c'est une arme effectivement, c'est que je ressens quelque chose, j'ai une opinion et j'utilise mon métier, c'est du cinéma, au mieux pour être au plus proche du réel finalement. Au plus proche du réel comme je le reçois. Bien sûr. Et je ne peux pas dire c'est l'Afrique. Et non, c'est la réalité. C'est ça que je vois et c'est ça que je vous présente. Telle que vous la percevez-vous. Et avec tout mon cœur et tout ce que je peux dire. Quoi, c'est tout. Et je ne suis pas parti en Afrique comme un agent de la Caritas pour dire ah, les pauvres enfants, regardez les grands yeux noirs et qu'est-ce que c'est dommage, il faut envoyer des donations à Noël. Non, c'est pas mon métier, ça. Bien sûr. Mon métier, c'est de vous faire comprendre quelque chose qu'on savait déjà, peut-être. Mais à travers de l'invisible, parfois, aussi, justement. La salle, j'aimerais vous entendre réagir. Les étudiants, on vous a pas encore beaucoup entendu. Je ne sais pas si vous avez un micro pas loin. Je ne sais pas où, d'ailleurs, est passé le micro. On va laisser parler monsieur qui vient de se lever, puisque vous n'avez pas saisi la parole. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Pierre Hafner, Genève, merci de me laisser la parole. Je vous en prie. Je pense que votre sujet, d'après ce qui a été indiqué, est « Peut-on tout montrer ?» Oui. Je pense que c'est étroitement lié, naturellement, comme vous l'avez déjà dit, à la liberté d'expression qui doit être absolument préservée, quelles que soient les réactions des uns ou des autres. Mais je me suis posé la question suivante. Est-ce que l'image ne devrait pas avoir un but ? Aujourd'hui, comme le disait M. Labro, rien n'est au fond organisé. On vous jette des images très souvent de façon, on va dire, gratuite, inutile, ou simplement pour montrer une image. Alors, je voudrais poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un but quand on montre une image, quand on reproduit une image, ce qui évidemment pose le problème de la censure, de le contrôle, etc. Et je voudrais aussi poser la question suivante, le trafic au sens de la manipulation d'images fausses qui sont sur Internet aujourd'hui très largement utilisées et qui est un désordre tel qu'on ne sait plus si c'est une image vraie ou une image fausse. Donc on a beaucoup de problèmes à tout montrer et n'importe comment. Voilà. Et à faire le tri entre le vrai et le faux. Pardonnez-moi, madame. Et à faire le tri, vous voulez dire, entre le vrai et le faux, et voir également s'il y a un but peut-être atteint en montrant quelque chose, parce que montrer des images gratuitement, ça relève peut-être du domaine artistique, mais ça relève pas forcément de la communication. Alors, on va demander à nos invités, est-ce que vous avez le sentiment que les images, parfois, sont diffusées comme ça gratuitement ? Est-ce qu'elles doivent avoir un but, Philippe Labro ? Évidemment, mais c'est pas qu'elles doivent avoir un but, elles en ont un forcément, tout dépend. Qui diffuse l'image, monsieur ? Votre question est tellement générale, il n'y a pas un but universel et unanime, fédérateur,
chacun son but parce que chacun sa vision. Le but d'un journal n'est pas celui d'un bureau de propagande d'un État totalitaire, n'est pas celui d'un internaute tout seul qui, à 3 heures du matin, balance à travers le monde je ne sais quel cliché. Il y a autant de buts qu'il y a de diffuseurs. Oui, on est un peu perplexe sur la gratuité dont vous parlez. Enfin, moi, je suis perplexe. Je ne suis pas sûre que ce soit gratuit, les images qu'on nous diffuse comme ça. Rien n'est innocent. Je ne sais pas si Serge Tisseron peut-être... Peut-être pas gratuit, mais pas cher. Parce que ça, c'est une autre dimension. Parce qu'il y a quand même des émissions. Le problème que nous, pour le cinéaste, c'est de se retrouver parmi cette inflation d'images, cette inflation de télé-reportage. Excusez-moi, l'inflation existe, mais cette inflation est telle que ça devient difficile à dire, voilà, ça c'est une image justement maîtrisée. Il y a des gens qui passent 2 ans à monter un film et d'autres qui passent 2 minutes à jeter des images sur un texte juste pour illustrer un texte. Donc ils racontent une histoire hier en Irak, machin. Ils mettent 3 images sur les voitures qui explosent ou qui brûlent, qui sont les mêmes qui sont passées déjà il y a 1 an, 2 ans. Et ça s'appelle aussi documentaire. Donc c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Peut-être que le public peut faire la différence. On espère, en tout cas. Non, mais on l'a fait, ne serait-ce que par le talent. Oui, j'imagine. Tout le monde sait, quand on voit un film comme le film aussi remarquable qu'a fait Hubert Sopère, que ça n'a rien à voir avec le travail effectivement expéditif, quotidien, sous pression d'un monteur qui, à 19h45, doit fournir 1 minute 30 de sujet à un journal télévisé. Vous avez fait une œuvre artistique, une œuvre documentaire, dans laquelle en plus vous avez mis votre personnalité, votre vision, et là, on parle d'une autre manière de traiter l'image. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est impossible de lier les deux objectifs. Il y a celui du cinéaste, et Dieu merci, les gens, vous avez raison, Laurence, font la différence. C'est même pas la peine de le leur dire, ils voient très bien. Ils le font, à mon avis aussi. Oui. Je voudrais avoir l'avis du psychiatre Serge Tisseron. Est-ce que vous croyez à la gratuité de l'image d'abord ? Non, s'il y a quelque chose qui n'est pas gratuit, bien sûr, c'est les images. Mais malheureusement, on vit dans une société où même l'information est soumise au régime de la concurrence. Les journaux papier, les journaux télévisés, même les journaux radiophoniques sont dans cette logique-là. Et malheureusement, souvent, certaines images sont utilisées pour scotcher le spectateur devant son poste. Régulièrement, le médiateur de France 2 reçoit des kilos de courriers de spectateurs qui disent « c'était vraiment pas utile de montrer ce que vous nous avez montré là, tel soir, ça ne nous apprenait rien, c'était des choses horribles, ça n'avait pas de valeur informative, c'était une espèce de complaisance morbide ». Et ça, c'est ce qui a été dit récemment par rapport aux très gros au plan sur le gendarme blessé dans la banlieue au Tarteret. C'est ce qui a été dit sur certains épisodes du combat entre le Hamas et le Fatah en Palestine. Et presque chaque semaine, hein, il y a des téléspectateurs qui, à mon avis, à juste titre, protestent en disant « ces images que vous avez montrées n'avaient pas de valeur informative, c'était une manière de flatter le voyeurisme et d'inciter des spectateurs qui auraient pu avoir envie d'aller voir ailleurs à rester devant leur chaîne pour avoir toujours plus de choses horribles à se mettre sous l'œil ». Donc, malheureusement, c'est aujourd'hui quand même le régime commun. Ben, là, je crois que, vous voyez, ce qui est formidable, c'est que quand on n'est pas content, on peut protester, par exemple, auprès du médiateur ou en faisant des rubriques dans des journaux. Il ne faut pas s'en priver, parce que c'est vrai que quand on voit aujourd'hui certaines images, par exemple à la télévision, ou même sur des couvertures de quotidiens ou d'hebdomadaires, au moment du tsunami, on a vu des images terribles de cadavres complètement déshumanisés. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La situation était totalement déshumanisante. Mais en revanche, il y avait une manière de porter un regard humanisant sur ces situations déshumanisantes. D'ailleurs, la photo qui a été primée par le World Press montrait une femme en pleurs à côté d'un cadavre. Mais les premiers jours en France, on a été abreuvés d'images de cadavres complètement à l'abandon, déshumanisés, comme des morceaux de bois ou des morceaux de plastique rejetés sur la plage par la mer. Et ces choses-là étaient très polluantes, hein, pour les esprits de beaucoup d'enfants ou d'adolescents. Donc je crois que, oui, malheureusement, enfin, les images ont tout un but, et malheureusement, trop souvent, c'est un but mercantile. Vicky Goldberg. Le photographe James Nachtway a dit que quand il a pris un photographe horrifiant, beaucoup de gens protestent. Pourquoi prendre une telle photographie?
ils disent qu'ils doivent protester les événements par mes photographies. Ils doivent montrer ces événements? Non, non, non. Ils doivent protester. Non. Les événements. Oui. C'est l'événement qui est coupable, oui, oui, oui. C'est pas le photographe. Le gendarme m'a dit que nous avons des photographies artificielles. C'est plus facile de distinguer les photographies qui sont manipulées dans l'ordinateur. Los Angeles Times en a eu, a publié une photographie sur la première page, je crois, d'une explosion à Beyrouth qui a été manipulée, la fumée était augmentée. On peut le voir et immédiatement après l'avoir découvert, ils ont démissionné le photographe et aussi le rédacteur a mis au rang qui a laissé passer. Mais les photographies qui sont construites, qui sont des scènes de théâtre, comment peut-on dire que c'est artificiel si on n'était pas là? Et nous n'avons pas les moyens de distinguer. De vérifier. Oui. Est-ce que vous voyez d'ailleurs des différences entre les photos publiées en France, par exemple, puisque vous connaissez bien notre pays, et celles qui sont publiées par la presse américaine? Ou est-ce qu'on entre dans une période de standardisation, si j'ose dire, et de mondialisation, qui fait qu'on retrouve à peu près les mêmes, oui, les mêmes schémas? Je ne connais pas bien la presse française, mais c'est évident qu'en Europe, la publication est plus libre. Par exemple, en 9-11, quand le World Trade Center était attaqué, beaucoup de gens ont sauté de 50 des fenêtres, oui. 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 Et il y avait une photographie d'un homme en mi-air. Un journal américain l'a publié et il y avait une controverse. En Angleterre, on l'a publié beaucoup de fois, aussi sur la télévision. Donc, on n'a pas censuré ces images d'hommes qui, ou de femmes qui se jetaient dans le vide, alors qu'aux États-Unis, oui. Oui, oui. Oui, mais donc, nous ne sommes pas tout à fait homogénés. Non. Oui, nous ne sommes pas tout à fait homogènes. Enfin, je ne sais pas si ce serait le bon mot, mais en tout cas, avec le même regard. Philippe Lavrou. Je trouve l'exemple donné par Vicky Goldberg passionnant, parce que ce n'est pas une censure, c'est une auto-censure. Bien sûr. C'est un choix qui a été fait par la plupart des journaux américains et des responsables américains. Je ne les justifie pas, j'essaie de les expliquer. Qui étaient tellement traumatisés par ce 9-11 dont vous parlez, qu'ils ont considéré que c'était quelque chose de sacré désormais et qu'on ne pouvait pas montrer cela. Personne, aucune organisation gouvernementale ou autre n'a téléphoné au New York Times, à Newsweek ou Time Magazine en disant « Vous ne sortez pas les photos ». Ils ne se sont même pas appelés entre eux. Mm. Il y a eu, et c'est assez passionnant d'ailleurs, un mouvement unanime, souterrain et non dit, et non communiqué. Ils ne sont pas appelés en disant « Tu l'as publié la photo ou pas ?» En disant « Dans le choc que ça a été pour la nation américaine, on ne pouvait pas. Ils ne voulaient pas. Ils pouvaient, mais ils ne voulaient pas. » Ils ne voulaient pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui voulaient le publier, hein, mais il y a deux mesures. C'est publier un pauvre Congolais déchiré, c'est pas interdit, ou un tsunami, un cadavre de tsunami, alors un Américain déchiré, on peut pas. Mais parce qu'ils étaient, il y a deux mesures, oui. il y a sûrement des Américains qui voulaient bien publier. Mais tu as raison, images. C'était une forme totalement déformée de patriotisme, de nationalisme. D'accord, de même qu'on a attendu 5 ans. On montre pas nos morts, mais on peut montrer les autres. De ouais. même, je disais. De la même manière, depuis que la guerre d'Irak a commencé, on ne photographie pas les cercueils drapés de la bannière étoilée arrivant dans le Maryland. Ouais. Et ça, en revanche, ça, c'est un ordre. Oui, oui. Ça, c'est complètement. Bon. Il y a un Donc, Vicky a raison de dire, on n'est absolument pas dans les mêmes cultures. Je voulais rajouter un truc. Oui. Je trouvais très intéressant cet exemple du photographe qui se fait agresser par ceux qui photographient. Et il y a un vieux proverbe, un vieux réflexe médiéval, c'est « kill the messenger for the message ». Tuer le messager pour le message. Et ce réflexe existe encore, et beaucoup de gens qui dénoncent ou qui photographient ou qui font des films se font attaquer par
des gouvernements ensuite et comment vous pouvez montrer ça. Et je connais ça très bien, personnellement. Et j'ai des ennemis très, très personnels en Tanzanie maintenant, notamment le président de la Tanzanie, qui a dit que ça, votre film dénonce notre pays, déforme l'image de ce joli pays. Et moi, j'aimerais bien dire que, d'abord, le problème n'est pas le vôtre en Tanzanie, c'est un problème mondial de cette inégalité. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, les enfants qui crèvent dans la rue. Donc, tuer le messager pour le message, c'est encore un réflexe très répandu. Qui existe encore, qui existe encore. Oui, je crois qu'on comprend mieux les choses si on a quand même à l'esprit qu'aucune image aujourd'hui ne va jamais seule. Il y a toujours des successions d'images, des séries d'images. Un hebdomadaire fait sa couverture avec une image, mais à l'intérieur, il y en a d'autres. Alors, pourquoi apporter cette précision ? Parce que je crois que les images de la plus grande horreur ont leur place. Mais qu'en revanche, c'est également important de privilégier des images où sont mis en scène la compassion, l'entraide, la solidarité. Par exemple, il y a quelques jours sur France 2, il y a eu ces fameuses images donc, d'un combattant du Fatah qu'on voit mourir. Il paraît qu'il n'est pas mort, mais enfin, on a l'impression vraiment qu'il meurt là devant nous. Et à midi, elles ont été présentées de façon terriblement sombre, sans contrepoint, alors que le soir, sur la même chaîne, elles ont été présentées avec des interviews de Palestiniens où ils parlaient de la solidarité familiale, de la solidarité internationale. Et du coup, cette image horrible était relativisée. On n'y pensait pas moins, mais on risquait moins d'être désespéré, pris de panique et d'avoir l'impression que le monde allait à une catastrophe inévitable. Vous voyez, je crois que les images de l'horreur ont leur place, mais qu'il est essentiel, surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui les enfants les petits-enfants même voient ces images, c'est très important que les gens qui nous les balancent aient aussi à l'esprit de nous montrer d'autres images qui valorisent d'autres aspects de ces mêmes situations. D'accord. Oui. Non, mais je pense que Serge a absolument raison. Ça s'appelle la pédagogie ou ça s'appelle la mise en perspective. Et bien faut... sûr. Vous n'étiez pas en train... Oui. Mais aussi, c'est important savoir qui est responsable pour la publication ou pas. Pendant la guerre irakienne, la première guerre en 1991, nous n'avons pas eu des images horrifiantes. Le gouvernement américain, le militaire, a essayé présenter une guerre sans mort, sans blessure, sans sang. Quand une photographe qui s'appelle Kenneth Dreski a pris une photographie d'un chauffeur de tank, le tank a été bombé. Le tank a été bombardé. Le tank a été bombardé et il a été brûlé à mort. Et il y avait une photographie de lui. La moitié supérieure de son corps est tout brûlé, tout de cendres. Et cette photographie a été envoyée sur le dit fil de fer, we say on the wire, went out over the wire. Sur le fil, oui. Sur le câble, oui, eh bien. Mais deux rédacteurs de AP, de Associated Press, l'a jugé trop violent pour les Américains. Nous ne sommes pas prêts à la voir, vous non, en non, dit. Non, ce n'était pas possible. Par exemple, notre gouvernement a dit qu'on ne peut pas prendre les photographies des coffins. Les cercueils. Sacré, oui, drapeau américain. Oui. Une femme a été, le policier l'a pris parce qu'elle a pris une telle photographie. Nous avons besoin de quelqu'un de grand jugement pour laisser passer les photographies. Je pense que nous avons besoin des rois philosophes selon Platon
qui sont esthétistes et philosophes et aussi les éditeurs des nouvelles, de l'information, des publications, je ne sais pas. Très bien, d'autres questions dans la salle? Je vous écoute, les étudiants. Allez-y. Oui, bonjour Elisabeth, étudiante au CELSA. Bonjour. Pour en revenir à Internet, puisqu'on a beaucoup parlé de la presse et de la télévision, ma question était, dans quelle mesure le contrôle de la diffusion d'images considérées comme choquantes est-il encore possible, en fait? Est-ce qu'on peut encore contrôler quelque chose sur Internet? Pardon, en Chine, oui. Vicky Goldberg. Excepté la Chine, est-ce qu'on peut encore contrôler quelque chose sur Internet? C'est très difficile, même en Chine, oui. Google a fait une traité avec les Chinois parce qu'ils ont besoin de faire des affaires, là. Mais même en ce cas, il y a des ordinateurs qui reçoivent des autres images. C'est très, très difficile. Il y a je ne sais pas comment dire, it's a V-chip. It's a chip you put into the television to prevent certain scenes from coming up for your child. I don't know if you have it. Oui, il y a une façon. Oui, pour que les enfants ne soient pas... Une façon d'occulter, désormais on peut occulter sur une chaîne de télévision des images qui pourraient choquer les enfants. Oui. Ça veut dire que les Chinois prennent leur citoyen comme ça. C'est dans la télé, mais c'est pas... Non, mais sur Internet, c'est incontrôlable. C'est aussi possible dans l'ordinateur, non? Je pense que Internet est incontrôlable. Oui, je pense. Et je me permettrais de dire, au fond, tant pis et tant mieux. Oui, oui. Tant pis parce que tout passe, donc des saloperies, et beaucoup, et tant mieux parce que quand même, eh ben, on est informé. À nous de faire le tri et d'avoir effectivement les mises en perspective, les jugements. Mais c'est pas contrôlable Internet. Oui, la Chine essaie de le contrôler, mais combien de temps? Et même la Chine, ça passe. Il n'y a rien à faire, ça passe. En Indonésie, on a interdit les photographies pornographiques et tout le monde les regarde. Dans la salle, un micro par ici. Monsieur, on vous voit tendre le bras. Juste une précision, pouvez-vous nous parler du Maghreb et d'Internet? Au Maghreb, du Maghreb vous n'avez et pas d'Internet. Internet. Vous avez une forte répression sur Internet. Non, doute, madame, moi je ne suis pas un spécialiste, non, sans doute. Voilà. Sans doute. Non, mais je voudrais dire qu'on oublie souvent, tout près de chez nous, on a des restrictions sur Internet. Bien sûr. Et parlons de pédagogie dans le Maghreb. À moins que les pouvoirs, les États, disons autoritaires, essayent d'exercer ou totalitaires, trouvent la ressource et l'invention technologique pour bloquer ce flot continu et permanent d'images, même dans le Maghreb, un jour, ça arrivera. Oui. Surtout qu'ils ont aussi toutes les chaînes que nous avons ici, ils ont tous des paraboles, donc ils ont aussi une profusion d'images et de moyens de se procurer et des images et des informations. Monsieur, juste derrière vous. Oui, merci beaucoup. Je suis auteur dramatique, je m'appelle Eric Westphal, et je fréquente passablement des milieux de théâtre ou de cinéma. J'ai rencontré parfois des gens assez en vedette qui souffraient terriblement des paparazzi. Alors là, je fais un virage complet, évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, mais on est toujours dans le thème de l'image aussi. Pour moi, certaines images volées par les paparazzi à l'intimité de gens s'apparentent au viol. Et je suis résolument contre ces images, bien que je sois totalement pour la liberté d'expression. J'aimerais avoir l'opinion de la table sur ce sujet. Merci. Je vous en prie. Alors, peut-on tout montrer, notamment quand il s'agit d'images de paparazzi? Philippe Labreau. Ah mais c'est une très bonne question. Et Dieu merci, en France, on a un appareil répressif judiciaire plutôt très, très bien organisé, comme pour les lois sur la diffamation, qui peut parfaitement permettre à des personnes privées qui considèrent à juste titre qu'elles ont été atteintes dans leur vie privée par l'intrusion d'un paparazzo, puisque ce sont des paparazzi, mais c'est un paparazzo, d'y porter un frein. Simplement, effectivement, il y a une prolifération de ce genre de presse et de ce genre de photographes, mais
c'est pas comme ça dans tous les pays, mais en France, il y a suffisamment de lois, de règles, et en permanence, vous avez des magazines, certains magazines spécialisés qui ne font qu'acheter les photos de paparazzi, qui sont l'objet de victimes de procès, oui. Et qui payent, et qui payent, et qui payent. Donc, on peut quand même, sinon réguler cela, mais y porter un terme. Mais il y a eu, sur les paparazzi, deux secondes, une anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote, c'est la fameuse photo qui n'a jamais été montrée et qui a été prise par les paparazzi de Lady Di, morte dans sa Mercedes, sous le tunnel de l'Alma. Elle a été prise, la photo. Et toutes les salles de rédaction, enfin les salles de rédaction des grands picture magazines, comme on dit, des magazines de photos, l'ont reçue. Aucun d'entre eux ne l'a jamais publié. Et là, c'était aussi de l'autocensure, ou bien clairement... Pardon, Laurent, c'est pas de l'autocensure, c'est un choix. C'est un choix, c'est pas de l'autocensure. Oui, mais on peut faire le choix. Non, mais est-ce qu'il y a aussi... Il y a une loi aussi dans ce pays, donc on peut se dire que sur le moment, il y a une telle émotion qu'on va laisser passer un an, deux ans, trois ans, cinq ans, et qu'un jour, ça va sortir. Ou est-ce que la loi, dans le fond, interdit une publication comme celle-là ? C'est la question que je pose. Je pense que la famille de Lady Di et du garçon qui était à ses côtés avait tous les moyens et continue de les avoir légaux pour faire en sorte que si cette photo était publiée, la publication et le photographe soient attaqués et perdent, sans bien aucun sûr. Doute. En tout cas, dans le domaine judiciaire français, c'est très très clair ça. Alors, c'est une peste les paparazzi, vous avez tout à fait raison monsieur, mais on peut en partie dire qu'ils ont des moyens juridiques pour essayer de remédier en même temps, à ce problème. On en arrive aussi à l'autre question qui est d'ailleurs posée, je crois, par le panel de ces jeunes gens. C'est dans quel un certain nombre de personnalités dites publiques n'encouragent-elles pas les paparazzis à les photographier ? On leur entrouvre la porte. En laissant entendre que c'est une photo de paparazzi alors qu'il y a eu entente. Dans le monde du show business et du spectacle, c'est super fréquent. Hein. Et dans le monde de la politique, ça arrive aussi. On a eu quelques exemples récents. Bien sûr. Serge Tisseron. Oui, on vit dans un monde où la frontière entre vie publique et vie intime est en train de s'estomper. Et je crois qu'il faut placer les paparazzi dans ce flottement-là. Alors, ceci dit, au point de vue, la distinction publique-intime s'efface dans le fonctionnement de chacun. Les gens mettent leur intimité sur Internet. Ils mettent des photos d'eux, mais des photos de leurs proches aussi, sans éventuellement leur demander leur avis. Bon, mais en même temps, du point de vue de la loi, Philippe Labrouille a raison de le rappeler, la loi est très claire. La vie privée, la vie intime de chacun est bien protégée. Alors, ceci dit, il faut se rendre compte aussi que cette protection, aujourd'hui, commence à avoir des effets un peu pervers, puisqu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit à l'image. Et sous prétexte de droit à l'image, eh bien, il y a aujourd'hui des gens qui peuvent faire des procès parce qu'ils se retrouvent sur une photographie, alors que c'est une photographie prise dans un lieu public. Éventuellement, ils ont vu le photographe. Donc ils auraient pu dire qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit prise, mais ils attendent qu'elle soit publiée pour protester, faire un procès. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, on vit dans une époque qui est un petit peu... une époque de grand changement. Hein, mais il faut savoir que la loi protège bien, mais qu'il y a aussi aujourd'hui quand même ce droit à l'image qui, je crois, embarrasse beaucoup les photographes professionnels, parce que c'est devenu très compliqué de photographier des personnes en France et de publier leurs photos. Et oui, Serge, pardon, il y a tellement raison que le droit à l'image, c'est pas seulement sur les personnes. Aujourd'hui, écoutez, nous, on a un exemple très précis. Quand on a lancé Direct8, on n'avait pas beaucoup de moyens et qu'il fallait entre les émissions meubler avec des images. Alors on montrait des images des couloirs de la station et puis de temps en temps, comme les fenêtres de l'immeuble donnaient sur une très belle perspective du Bois de Boulogne et la Tour Eiffel au-delà, on s'est amusé de temps en temps à montrer la Tour Eiffel. Nous avons été réprimandés parce qu'il y a un droit à l'image de la Tour Eiffel. Nous étions en train d'exploiter... Si. Et nous avons eu droit de la part de la société qui exploite la Tour Eiffel à une admonestation... parce qu'on était en train d'exploiter l'image de la Tour Eiffel. On en revient à notre profit. À ce foisonnement d'images. Or, c'est un monument public, je veux dire. Et en même temps, à ce contrôle qui est de plus en plus... Non, bien sûr. En même temps, le droit à la vie privée. Quand, par exemple, vous avez des personnalités connues qui vendent à des publications leur mariage, le baptême de l'enfant, etc., etc., à quel moment, quand tout d'un coup, ça ne vous arrange plus, vous allez pouvoir attaquer une publication en disant là, je ne suis plus d'accord, c'est ma vie privée. Vous voyez, il y a aussi un paradoxe, là, quelque part. Bah non, c'est assez clair. S'ils ont fait un accord, l'accord existe à ce moment-là. Bon, ce sont des marchands entre eux, hein. Je te vends un événement et tu le publies, voilà, et ça vaut tant.
c'est très, très clair, c'est commercial, c'est peut-être honteux, mais c'est comme ça. Mais par ailleurs, la vie privée et la vie intime, encore une fois, Serge me confirme, et en France, en tous les cas, on peut parfaitement la protéger. Hein. Elle est protégée. Hubert Sopin. La plupart des gens dans notre société souffrent du fait de ne pas exister, de ne pas être photographié. Et il y en a qui rêvent d'être photographiés. C'est un réflexe, très vieux. Et je vais encore faire le lien à une autre situation que j'ai vécue. C'est une situation de guerre au Congo. Et on dit souvent, quand on prend la photo, les indigènes ou les gens en dehors de notre société, on vole leur image. Alors moi, j'ai vécu le contraire. J'ai vécu des gens impliqués dans les situations vraiment très lamentables dans la guerre et qui demandaient d'être photographiés. Peut-être avec la perspective, ce sera la dernière bien preuve sûr. Qu'ils existaient, qu'ils vivaient, et me demandaient de venir prendre leurs photos. Donc, ça existe aussi dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Vicky Goldberg, sur le débat des paparazzi? Est-ce qu'on doit tout montrer? Est-ce qu'on peut tout montrer? Nous disons aux États-Unis, il n'y a pas de mauvaise publicité si on épelle mon nom correctement. C'est très joli. Si on épelle mon nom correctement, il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais les paparazzi, maintenant que la célébrité est la chose la plus importante dans quelques magazines, les paparazzi sont beaucoup plus agressifs. J'ai lu qu'il y a à Hollywood quelques paparazzi qui ont fait une un accident de voiture avec une star pour prendre une photographie de son réaction. Ils ont provoqué un accident de voiture. Oui. Alors, comme on s'inspire souvent des États-Unis, il ne faut pas leur donner l'idée ici. Dans la salle, le micro, je ne sais pas où il est. Si vous en avez un, allez-y. Et puis après, on le passe derrière, si une hôtesse veut bien aller derrière aussi. Pour reprendre un peu sur l'origine du débat... Monsieur, levez-vous, on ne vous voit pas. Volontiers. Merci. On parlait d'éthique tout à l'heure, et de doit-on et de ne doit-on pas. Je crois qu'il y a une frontière qui est relativement faible et qui pose en elle-même question. C'est-à-dire que quand on parle d'éthique, on arrive assez vite à politique. En général, toute bonne dictature ou tout bon pouvoir autocratique a toujours une bonne raison d'expliquer pourquoi il censure. Et ça peut même aller plus loin, ça peut être une bonne intention. Il se trouve qu'à titre personnel, je travaille dans les métiers de l'image et en même temps, je suis ce qu'on peut appeler sujet à ce genre de problématique d'éthique. Et on s'aperçoit qu'on est obligé finalement en permanence de ramener le sujet parce que les gens, pour de bonnes raisons, ont tendance à faire entre guillemets, de l'autocensure. Je n'ai pas compris où vous travaillez, monsieur, pardon. Peu importe, mais si vous voulez, le problème est le suivant, c'est que si vous voulez, parfois, pour de bonnes raisons, on a tendance à interdire, ou pour de mauvaises, on a tendance à ne pas interdire. Et donc, c'est pour ça que ce qui m'intéressait, et là où je voulais interroger les gens qui sont autour de vous, c'est sur la limite et la frontière qui est extrêmement fine entre l'éthique et la non-éthique, et la possibilité ou la non-possibilité. C'est-à-dire que dans un sens, vous avez beaucoup parlé de s'interdire de faire des choses, c'est en effet un acte en soi. S'autoriser à faire des choses, c'est un acte en soi. Et dans la même idée, être autorisé ou ne pas être autorisé. Et je crois qu'on a vu le cas, si j'ose dire, où c'était fait pour de bonnes raisons. Il y a aussi le cas inverse où on a tendance à ne pas montrer, pour, croit-on, de bonnes raisons, et où en fait, on arrive à l'effet inverse, c'est-à-dire que finalement, on étouffe. Et donc, comment déterminer cette frontière qui est extrêmement étroite, finalement? Qui est-ce qui souhaite réagir à cette question? Serge Tisseron. Oui, c'est vrai que la frontière est étroite. Je crois qu'on peut un petit peu sortir du problème que vous évoquez en distinguant bien proposer et imposer une image.
ce qui est un problème aujourd'hui, je trouve, par rapport aux images pénibles à voir, c'est qu'elles nous sont très souvent imposées. À la une des journaux qui sont dans les kiosques, on se promène, on tombe dessus, au journal de 20h, on y échappe pas. Familial. Donc on n'a pas la possibilité de choisir de les voir ou pas. Alors à partir de là, je pense qu'en effet, les journalistes se posent des tas de questions. Est-ce qu'on va les montrer, est-ce qu'on ne va pas les montrer? Mais il ferait mieux de se poser la question, est-ce qu'on va les imposer ou est-ce qu'on va les proposer? C'est-à-dire que les proposer, ça peut vouloir dire au journal de 20h, on a d'autres images, elles seront disponibles dans une édition spéciale à 23h. Ceux qui veulent les voir, vous pourrez les voir et sachez que c'est des images qu'on a, qui sont pénibles à voir. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ce qui est montré ou ce qui n'est pas montré, c'est que ce qui est montré et qui fait en effet l'objet d'une autocensure est quelque chose qui est trop souvent imposé. Je préférerais pouvoir voir plus d'images qu'aujourd'hui on ne me montre pas, mais pouvoir les voir quand j'ai envie de les voir, là où j'ai envie de les voir. Au moment où vous l'avez souhaité, absolument. Si vous le souhaitez ou pas. On continue. Où est le micro? On y va. Nos étudiants. Voilà, en fait, pour revenir tout à l'heure, on va se mettre du côté en fait des citoyens, des lecteurs ou du lectorat ou de l'audimat. Lorsque l'on sait que les journaux télévisés ne font jamais autant d'audience que lorsque des événements dramatiques surgissent et que le nombre de morts explose, comme on a pu voir avec Monsieur Serge Tisseron tout à l'heure, le tsunami, il y a eu aussi les attentats de Madrid, qui, avec un dossier spécial dans Paris Match, et des images qui m'ont personnellement énormément choquée et que j'ai considérées comme inutiles. Le rapport du citoyen à l'image n'est-il pas ambigu, voire malsain, avec l'accumulation de toutes ces images montrées, oui. En fait. Cette espèce d'appétit pour le malheur, pour les choses dramatiques. Au même titre qu'aujourd'hui, quand on passe devant un SDF, ça nous choque beaucoup moins que... il y a peut-être une vingtaine d'années où ce n'était pas aussi présent dans notre société, finalement. Bah ça, tu n'en sais rien, parce qu'il y a 20 ans, est-ce que tu étais là? Donc, je ne sais pas s'il y a 20 ans, on était moins choqués. En tout cas, revenons peut-être sur cette espèce de goût du malheur qui fait vendre et qui peut être un thème effectivement intéressant, sur l'audimat qui explose lorsqu'il y a un tsunami ou le 9-11, comme on dit aux États-Unis. Est-ce que vous voulez réagir d'abord, Vicky Goldberg, sur ce que disait cette jeune fille? Assurément, on ne peut pas processer toutes les images, et une partie de ces émotion, je crois. Mais c'est une situation paradoxale, dit-on. Un paradoxe, oui, paradoxal, c'est juste. Parce que même dans cette inondation des images, une inondation qui nous couvre, il y a des images qui nous battent, qui nous font souffrir. Qui nous font souffrir. Les images ont encore un pouvoir, peut-être un plus grand pouvoir. Cet comblement d'images d'horreur peut-être nous a immersé, nous a... En anglais. Immergé dans une... atmosphère de peur, d'horreur, pendant toute la vie, parce que les images sont très fortes et on ne peut pas les oublier. Ils sont toujours dans la tête. Par exemple, la télévision locale aux États-Unis est pour la plupart... les feux, les accidents, les désastres, les meurtres. Et il y avait un sondage. Il y avait un sondage il y a 4-5 années qui a dit que les citoyens de ces villes, avec la télévision locale, ont pensé que il y avait plus de violence qu'il y a. Qu'il y avait plus de violence qu'en réalité, oui. Parce qu'ils ont toujours, avant les yeux,
les images de violence. De cette violence. Serge Tisseron, vous avez sûrement plein de choses à nous dire sur notre appétit que cette jeune fille qualifie d'un peu malsain, d'avoir de l'horreur, du malheur. Oui. Alors, je voudrais dire d'abord qu'il y a les images qu'on nous montre, puis il y a celles qu'on nous fait imaginer. Et parfois, on reste scotché devant son écran, devant un présentateur qui nous dit « Cette image-là, on ne vous la montrera pas, elle est vraiment trop horrible. » Et puis, il donne quelques détails, et l'image qu'on se forme dans la tête est absolument abominable. Donc, il y a les images qu'on nous montre, il y a celles qu'on nous fait imaginer, il y a un jeu pervers autour des images qui se jouent. Mais je crois que personne ne peut réguler l'usage qu'en font les spectateurs, qu'en font les citoyens. Moi, je vois des enfants qui sont rassurés quand ils voient des images horribles, parce que leur monde intérieur est tellement marqué par la violence, par l'horreur, qu'ils ont l'impression que, ma foi, cette horreur est commune, qu'elle est présente au monde, et donc qu'ils ne sont pas des monstres d'avoir des rêveries et des pensées abominables. Donc il y a des gens qui se sentent aller mieux quand ils voient des images horribles. Il y en a qui font en sorte d'aller mieux, même, ça se voit, et puis il y en a qui vont plus mal. Donc il y a un problème de régulation de l'usage, mais je crois qu'il faut faire confiance aux gens et que beaucoup de gens sont capables de faire un bon usage des images qu'ils voient, à condition de pouvoir se préparer à les voir. C'est pour ça que moi, je ne regrette pas le fait qu'il y ait trop d'images violentes. Au contraire, je trouve qu'il y a des images qu'on ne nous montre pas, et c'est dommage, qui sont trop auto-censurées par les journalistes. Mais encore une fois, je crois que ces images devraient être accessibles pour ceux qui le souhaitent, hein, au moment mais, où ils mais le mieux souhaitent. Encadrés, mieux... Oui, absolument. Parce que, encore une fois, il y a mille et une façons de faire usage des images, et une image horrible n'est pas forcément une image qui fait du mal. Ça peut être une image utilisée dans une stratégie d'information, dans une stratégie même de mobilisation, dans une stratégie de prise de conscience. Hein. Mais encore une fois, encore faut-il que la personne puisse s'y préparer, puisse choisir le moment où elle la voit, puisse éventuellement la voir en étant accompagnée. Hein. On poursuit. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Bonsoir. Alexandre, je suis étudiant à l'Institut français de presse. Oui. J'avais une question pour M. Philippe Labreau. J'aurais voulu savoir, vous qui avez vécu en tant que journaliste les mutations dans les médias avec ces dernières années, ces dernières décennies, l'émergence de la télévision, d'Internet, ce foisonnement d'images, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va finir par regretter le temps où les événements étaient simplement écrits, décrits, suggérés, et est-ce qu'on se portait finalement pas mieux avec un peu moins d'images. Philippe. Ah. De toute façon. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Oui, c'est une nostalgie. Ça n'est que cela. Parce que c'est comme ça. Il y a une réalité, c'est que la fin du XXe siècle et le XXIe siècle, les technologies de l'information, le bombardement permanent de l'information, images, sons, à travers tous les moyens qu'on connaît, est telle qu'il y a saturation totale. Mais on ne va pas revenir en arrière, on va pas revenir à un journal télévisé en noir et blanc, qui était d'ailleurs complètement conduit par les pouvoirs publics. Hein. Attention, n'oublions pas ça, que cette saturation, cet excès de médias, en gros, c'est aussi une forme de liberté. Hein. Donc on ne va pas revenir à une chaîne de télé étatique en noir et blanc et à trois journaux gris sans photo. C'est comme ça. C'est une réalité, voilà. On est dans un autre monde, il faut l'accepter. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a une telle overdose, oui, d'images, et pas seulement d'images, de faits, de déclarations, de contradictions et tout, que c'est à vous, c'est à nous, consommateurs, auditeurs, lecteurs, spectateurs, de faire notre tri. Après tout, la télécommande, elle existe. On n'est pas obligé de rester devant son poste. Oui, vous pouvez même éteindre votre poste et ouvrir un bon livre. Oui. Un mot d'Hubert Sopère après une dernière question dans la salle. Oui, j'ai un petit truc à vous dire de mon petit pays, l'Autriche. On avait quand même un grand problème qui s'appelait Haider. C'était un politicien d'extrême droite. Oui. Il n'était pas chancelier. Il n'était pas chancelier. Heureusement. Mais... Comment s'appelait le chancelier? J'ai une absence. C'est à nouveau maintenant, il vient de changer. Oui, mais justement, donc c'est le nom que je cherche. J'étais en Amérique, tu viendrais. Et en fait, à un moment donné, un journal a décidé de dire, ils ont dit, bon, maintenant, on ne va plus montrer sa gueule, parce qu'on a vu assez, et ça fait à chaque fois sa publicité, donc on ne va plus le montrer.
et ça marchait très bien en fait, de ne pas le montrer. Ça lui fait très mal. Comme quoi, quand on n'est pas montré, on n'existe pas finalement. Mais dans exactement le même ordre d'idées dont vous nous parlez, mais à l'envers. N'oublions jamais que quand Life Magazine qui existait, pendant la guerre du Vietnam, quand ça commençait à vraiment très tourner très mal, Life, une semaine, a décidé de publier les photos d'identité, comme des photomatons, petit format, noir et blanc, de tous les GIs victimes de la guerre du Vietnam. Ça a eu un impact inimaginable. Inimaginable. Ça a été sans doute un des tournants psychologiques dans l'opinion publique américaine pour qu'on dise assez, enough, on arrête la guerre. Donc, soit on décide, et on a raison, de ne plus parler de Raider, et d'une certaine manière, ça le déstabilise et ça le déprécie, soit sur certains événements, l'impact de l'image n'est pas seulement négatif. Ça a amené à une prise de conscience. Alors évidemment, ça, encore une fois, bravo les éditeurs, les patrons de Life d'avoir décidé de faire ça. Encore une question dans la salle avant de nous quitter. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait effectivement éteindre la... Vous pouvez peut-être vous lever, madame, comme ça on saura où vous êtes pour ceux qui vous regardent. Attendez, parce que... La dame juste à droite avait un micro, mais ça fait rien, on va prendre aussi votre question, on va faire les deux ensemble. Allez-y, madame. C'est juste une petite remarque. Tout à l'heure, Vous avez dit qu'on pouvait éteindre la télé. Que font les enfants qui sont seuls, en fait, devant la télé et devant leur poste Internet ? Il ne faut pas les laisser seuls. Il ne faut pas les laisser seuls. Il faut éteindre la télé avant. Ou faut... on est tout à fait d'accord que... Non, mais le rapport de la télé et de l'enfant est capital, on le sait bien. C'est pratiquement aujourd'hui aussi important que l'école. Parfois positif, d'ailleurs. Je ne peux pas ne pas donner, d'ailleurs, la parole là-dessus à M. Tisseron. C'est impossible. C'est le sujet de, notamment, ce livre, les parents... Voilà, et les enfants. Toutes les fois où je rencontre des responsables des actualités dans les diverses chaînes télévisées, ils me disent tous la même chose. Ils me disent tous, jamais mes enfants ne regarderont les actualités. Ils les regarderont quand ils auront 18 ans, mais pas avant. Tous, ils disent ça. Alors, je leur dis, mais quand même, vous rendez bien compte que ce n'est pas toujours possible. Ils disent, oui, mais les actualités sont faites pour les adultes. Donc ça, pour dire qu'il y a une certaine hypocrisie d'actualités qui passent aux 20 heures et qui sont censées être que pour les adultes. Il y a une certaine hypocrisie. Alors, si dit, bon, je crois que quand on est parent, il faut essayer de faire avec. Moi, je crois que quand même, il y a une bonne idée, c'est de ne pas prendre son repas du soir devant les actualités télévisées. Soit manger avant, en famille, soit manger après, si on regarde le journal, et toujours dire à l'enfant qu'il y a des scènes éventuellement difficiles aux actualités, même pour les adultes, très important, et que l'enfant n'est pas obligé de les regarder. Ceci dit, certains enfants aiment regarder les actualités. Il y a des enfants, comme je disais tout à l'heure, qui ont un certain appétit pour des images horribles, qui n'est pas forcément un appétit morbide. Ça peut être des enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont pu passer inaperçus à leur entourage et qui essayent de s'en donner des images à travers des images de cadavres, de sang. Mais l'important, c'est en tout cas qu'ils soient accompagnés par un adulte et les parents sont le mieux placés. Donc, si vous voulez, c'est vrai que cette question des enfants seuls devant la télé, elle est récurrente. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de limiter les dégâts. Et puis savoir aussi que même s'il n'y a pas des parents pour parler avec les enfants parlent heureusement énormément entre eux de tout ce qu'ils voient à la télévision et qu'ils sont souvent mieux protégés que ce qu'on imagine entre adultes. Ils ne sont pas seuls. Ils sont seuls au moins, ils regardent, mais ils ne sont pas seuls parce qu'ils vont à l'école. Après, pour en parler, un dernier mot à madame. Vous vouliez le micro, je vous donne la parole 2 secondes et on va conclure. Oui, écoutez, voilà, je crois que vous parlez de faire soi-même son tri et d'être capable, si vous voulez, de décrypter psychologiquement les images. Or, il faut pour ça, je pense, un substrat psychologique, sans employer un grand mot intellectuel, et vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas ce substrat, et qui donc se retrouvent, si vous voulez, désarmés et confrontés à des images. Et ça, c'est très grave, parce que, si vous voulez, ils n'ont pas le moyen, on les attaque et ils ne peuvent pas se défendre. Et c'est là où, si vous voulez, la civilisation que nous sommes en train de vivre, bon, de par les activités que j'ai, je me rends compte, auprès des jeunes est parfois destructrice. Car il y a une espèce, je dirais, de normalisation de ce qu'ils voient. Et vous dites qu'ils en parlent ensemble, et moi j'entends des jeunes en parler ensemble, et quelquefois c'est terrifiant.
Parce que pour eux, si vous voulez, la violence, le meurtre, le sang, eh bien c'est quelque chose de normal. Et je pense que dans la vie d'un enfant, je ne suis pas psychiatre, mais je pense que dans la vie d'un enfant, ce n'est pas ça la normalité. Or, si vous voulez, cette overdose d'images devant des gens qui ne peuvent pas se défendre, parce que nous sommes tous ici. Si nous sommes dans cette salle, c'est parce que nous avons un substrat psychologique, intellectuel, que les trois quarts, pour ne pas dire les 9/10 des gens oui. n'ont pas. Donc on les attaque et ils ne peuvent pas se défendre. Je pense qu'on a bien compris le sens de votre intervention, madame. Je pense que ça peut d'ailleurs nous servir peut-être de conclusion. Peut-on tout montrer ? La liberté ne va pas sans la responsabilité. Et justement, quelle responsabilité vis-à-vis de ce public qui n'a pas toujours les outils pour décrypter, décoder ? Quelle pédagogie faire? Comment vous voyez cette problématique, Vicky Goldberg? Ce sera notre conclusion à ce débat. Je voulais dire que ce problème n'est pas nouveau. En 1842, on a publié le premier journal illustré. C'était un journal français. Et immédiatement, on a eu des illustrations de violence et des critiques qui ont dit à la petite déjeuner, la femme qui ne doit pas voir ces images, les consomme greedily, avec avidité, oui, et les enfants aussi. Donc, c'est une question de mass publication, de mass market, mass publication. Oui, publication en masse, et c'est plus fort aujourd'hui, mais c'est un problème de la civilisation moderne. Nous vivons avec ce problème, c'est notre problème pour tous, ceux qui peuvent démanager et ceux qui ne peuvent pas. Monsieur Tisseron. Oui, un petit mot, parce que vous avez raison, il y a en effet des enfants, certains enfants qui réagissent à cet environnement audiovisuel ultra-violent en ayant l'impression que, puisque la violence est partout, ils peuvent la pratiquer aussi. Mais on a aussi des enfants qui réagissent à cet environnement audiovisuel ultra-violent en se déprimant et en ayant l'impression qu'ils courent le risque d'être agressés. Donc ils ne deviennent pas plus agresseurs, ils deviennent plus repliés sur eux-mêmes, plus craintifs, plus inquiets. Mais vous avez aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui réagissent à cet environnement d'images ultra-violents en se disant qu'il faut retrousser ses manches. Et moi je suis frappé du fait que dans les mouvements en faveur du commerce équitable, d'une planète plus propre, plus juste, plus écologique, les moins de 25 ans qui ont quand même grandi dans un environnement audiovisuel déjà éprouvant, même s'il était moins qu'aujourd'hui, les moins de 25 ans sont massivement représentés. Donc je ne voudrais pas qu'on termine sur une note pessimiste en disant où va le monde, nos jeunes sont de plus en plus, perdent de plus en plus leurs repères, ils deviennent violents à cause d'images violentes. Non, les jeunes, toutes les enquêtes montrent que les jeunes qui sont incités à la violence du fait de leur histoire personnelle, de leur éducation personnelle, de leur environnement proche, en effet, courent le risque de devenir plus violents, mais que ça ne représente qu'une petite partie des jeunes, hein, et que massivement, les jeunes ne sont pas plus violents aujourd'hui qu'ils n'étaient hier, et même quand on voit leur place, encore une fois, dans des mouvements réparateurs, hein, dans des mouvements d'engagement en faveur d'une planète plus juste ou plus équitable, eh bien, on voit que les choses vont pas si mal que ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important par rapport à ces images violentes de valoriser le regard humanisant hein, sur les situations inhumaines, l'entraide, la solidarité, parce que c'est quand même ça qui peut nous permettre de faire en sorte qu'il y ait le plus de jeunes possible qui prennent le bon chemin. Philippe Labro. Non, mais c'est un débat passionnant et sans fin. Mais il faut maintenant conclure. On en revient à deux mots clés, liberté, responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire encadrer, expliquer, on ne diffuse pas des images comme ça. Encadrer, expliquer, mettre en perspective, éduquer, effectivement, madame, éduquer, bien sûr, et l'éducation. Moi, j'avais suggéré un jour, mais ça n'a pas été suivi, qu'on débriefe tous les matins les enfants à l'école pendant une heure, quand ils arrivent, sur ce qu'ils ont vu la veille, oui. À la télévision, qui est un premier filtrage. On passe le tamis. Et que les pédagogues, après tout, l'éducation nationale, elle est là pour ça, pour éduquer nos enfants. Ensuite, peut-être les parents dans la journée ou le soir, fassent le tri, évaluent, commentent, expliquent, justifient ou pas telle ou telle image. Puisqu'effectivement, on en laisse beaucoup seuls devant les postes de télé. Ils arrivent le matin à l'école, parfois traumatisés, parfois très influencés par ce qu'ils ont vu, entendu. Ça provoque d'ailleurs toutes sortes de comportements éventuels de violence. Pourquoi ne pas faire une sorte
non pas de lavage de cerveau, mais de tri de l'image reçue la veille par l'enfance et par la jeunesse, et un peu, disons, étayée, organisée, développée par des pédagogues. Monsieur Sauper. Oui, pour répondre à la première question, oui, on peut tout montrer. Comment on peut tout dire en condition qu'on sait, on sait bien parler. Qu'on sait de quoi on parle d'abord. On sait de quoi on parle et on peut tout montrer en condition qu'on sait traiter des images. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, il nous faut une armée de spécialistes qui savent traiter, juger et préparer des images. Hein. Et il faut aussi une éducation massive de l'image, je pense, dans notre société. C'est l'éducation, comment lire un film, comment lire une image, comment lire une émission de télévision. Un journal télévisé. Ça devrait être beaucoup plus répandu encore dans les écoles, je pense, parce que c'est le langage principal de nos jours, c'est justement l'image. Oui, que chacun ait un sens critique, finalement. Oui, et on peut tout montrer en condition qu'on sait montrer, on sait dans quel contexte, voilà, je pense. Vicky Goldberg, rien à ajouter dans cette... Non. Merci en tout cas d'être venu à nous. Merci à vous tous. Bonne fin de journée.